المشتركي سابوراني دونك باش نخدم لكم سيري نيميرو 1 على لي سوليسيون دونك شفنا في الرابيل مفهوم لي سوليسيون شنو هو لي مو كلي شنو هو الحاجات المهمه دونك باش نبدا بالاكزرسيس الاولاني واللي هو كومون ايدونتيفي لو سولفون لو سوليتي بتبيعها في سوليسيون معين اوكي دونك باش نبدا بالسوليسيون الاولاني واللي هي كلوريد دو صوديوم de sodium avec de l'eau. Donc, les nèches sont antiennes. Andy, chlorure de sodium ou Andy l'eau. Et donc, c'est-à-dire les nèches Andy une solution. Fait le chlorure de sodium, c'est le NaCl ou le chlorure de sodium plus l'eau, l'H2O. Ok, donc les nèches vous marquez. Le chlorure de sodium, c'est le NaCl ou l'eau ou l'H2O, comme on l'a vu dans le chapitre précédent. Donc, là, je vais vous montrer un autre solvant ou un autre, bien sûr, le soluté. Donc, notre solvant, là, c'est l'eau. Voilà. Et donc, bien sûr, soluté, c'est le chlorure de sodium. Donc, solution THNO, c'est une solution aqueuse de chlorure de sodium. Puisque solvant ou l'eau, donc c'est une solution aqueuse. Donc, solution aqueuse. Allez, à la khatr solvant, c'est l'eau. Qui est de solvant l'eau, donc notre solution est une solution aqueuse de chlorure de sodium. Voilà. Donc, t'as l'exemple les bagues. Donc, on dit 100 ml d'alcool avec 50 ml d'eau. Voilà. Donc, on dit alcool et eau. Donc, le solvant, le psychon, ou soluté, donc notre solvant, c'est l'alcool. Donc le solvant, c'est l'alcool. Ou le soluté, donc bien sûr, c'est l'eau. Solution T, solution aqueuse, et solution alcoolique. Donc c'est une solution alcoolique d'eau. Voilà. Donc, la solution les barda ou le via solution, on dit l'iode dans l'alcool. Donc, notre solvant, c'est l'alcool et soluté ou l'iode. Voilà. Donc, notre solution, c'est une solution alcoolique d'iode. Voilà, nous solvons à l'alcool. Ok. Donc, dans l'exemple l'akhreni, dioxygène dans l'eau. Voilà. Donc, l'hné, le solvant terré. C'est l'eau ou soluté ou le dioxygène. Voilà, donc ça c'est l'eau. Ça c'est le dioxygène. Donc, notre solution, c'est une solution à cause de dioxygène. La rate de solvant ou l'eau. Dioxygène. Voilà. Donc, les chemins solvant. Et soluté, bien sûr, l'année, t'as là, on a dit comme quelques exemples, ou les exemples, moi, je dis partout, je me disais de faire les autres exercices, donc, notre ardelhom, ou n'chirilhom. Père, donc, dit ma souhait, généralement, souhait, ou l'année, fait les exercices à domaine, déterminé, solvant et soluté. Okay? Donc, dans l'exercice 2, en dessous, 15 g d'hydroxyde de sodium, c'est le NaOH. Hydroxyde ou l'OH, ou sodium ou le Na.
pour constituer 100 millilitres de solution. Et donc, l'année, d'où 15 g de NaOH fait 1000 millilitres d'une solution. Calculez la concentration massique de cette solution. Ben, on regarde les concentrations massiques. Donc, l'année, bien sûr, puisqu'on dit le masse, donc on peut calculer la concentration massique. Quoi égal, c'est M. La formule, ou la formule, il y a M sur V. Donc, il suffit de la formule, mais de la formule, l'article l'année 0,5, 0,25 ou 0,5. Donc, c'est mieux. Donc, طلعنا نحن الكونسنتراسيون ماسيك اللي هي كتبنا الفورمول اللي هي ماس سور في كوانت ايغال ماس لهنا الماس هو 15 غرام دونك ام ايغال 15 غرام والفي كوانت ايغال الفي ايغال 100 مليليتر اتونسيون لهنا ما تخلوهاش او مليليتر ايغال 0.1 لتر نبدلوها على لتر ردوا بينا في لي زونيتي راه هما اللي غلطوا في الشيمي باغ كونتر الماس نخلوه بالغرام ما نبدلوهوش بالكيلوغرام نعاود في الشيمي نخدم بالغرام Donc, généralement, on a le gramme. Voilà, déjà, les masses molaires, on a le gramme, mol, moins 1. Donc, là, on a l'application directe. Donc, concentration massique égale 15 sur 0,1. Donc, là, on trouve 150 grammes litre moins 1. Et on a le gramme litre moins 1, on a le 150 grammes par litre, kif kif. Attention, l'unité est dit, il y a une équipe de 150, il y a une plus l'unité. Femme à 7, par exemple, la question est dans la note, il y a article 0,25. L'unité est une minax à l'aise, faire 75 à la tour. Voilà, il y a une minax à l'aise 0,5 ou femme à l'aise 0,25. L'essentiel, l'unité est dit à la note. Okay? Donc, Rdouben fait les unités. Donc, il y a une concentration massique. Question 2. Déterminer la quantité de matière d'hydroxyde de sodium et en déduire la concentration molaire de cette solution. Donc, l'année, il y a un nombre de moles ou la concentration molaire. Nous savons une relation entre la concentration massique ou la concentration molaire. Nous savons une concentration massique égale à M sur V. Nous savons une concentration molaire, je vais écrire C, égale à N sur V. C'est-à-dire, l'année, je peux déterminer l'année. Masse ou bien la concentration massique, relation mobile concentration massique ou concentration molaire, l'année le volume égale à M sur CM. Donc, l'année le nejm nhot égale à N sur voilà, la masse sur CM. Donc, est égal à N sur M fois CM. Or, N égale à M sur la masse molaire. C'est-à-dire, l'année la masse molaire quoi, est égale à M sur N. Donc, C égale, c'est CM sur la masse molaire. Donc, je peux déterminer concentration massique égale à masse molaire fois la concentration molaire. Bien sûr, les formules sont disponibles dans le cours. Nous avons une concentration massique. On peut déterminer concentration molaire directe. On va maintenant le nombre de moles. Démarche, c'est ça. Mais il faut d'abord démarche sur la question. Il y a le nombre de moles ou l'ligne, on va dire la concentration. Donc, ou le hajab, je vais le nombre de moles d'elle, il y a. Donc, N égale la masse sur, bien sûr, la masse molaire. Donc, on a la masse, il y a 15, M égale à 15 grammes, et la masse molaire. À quoi est égal la masse molaire de D? Donc, là, il dit que la masse molaire de NaOH. Quoi est égal? C'est la masse molaire de Na plus la masse molaire d'oxygène plus la masse molaire d'hydrogène. Puisqu'on dit Na wahda, on dit O wahda ou H wahda. Donc, égal, là, on m'a donné. Na, c'est 23, donc égal 23, plus l'oxygène, c'est 16, plus l'hydrogène, c'est 1. Okay? Donc, on trouve là, 101. Grammes mol moins 1. Attention, l'unité. Hein, on est gramme mol moins 1. Donc, j'ai l'aîné pour l'application numérique, donc 15 sur 101. On trouve l'aîné le nombre de mol, donc l'aîné, bien sûr, antimasse ou antimasse molaire, donc juste application numérique. Pardon, l'aîné, on trouve 40, désolé, donc l'aîné 40 grammes mol moins 1, donc. L'année 23 plus 16 plus 1, c'est 40. Donc, l'année sur 40, juste nomme l'application numérique. Donc, je t'attends 15 sur 40, 0,3, 7, 15 mol. Voilà.
فهمنا هذا هو النومبر دو مال دونك باش طلع الكونسنتراسيون سي كوات ايغال سي ايغال 1 سور في دونك ايغال 0,375 سور الفي اللي هو 0,1 لتر معناها بدلناه اون لتر كانت 100 ملي لتر بدلناه اون لتر دونك ايغال 3,75 مول لتر موان زان ديما ننسيستي على لوميتر فهمنا اوكي فوالا دونك نتعدى ليكزارسيس 3 دونك شنو عندي هنا اون بريبار اون سوليسيون دو نيترات دو بوتاسيوم كان KNO3. Donc, on va vous donner les solutions. Mais, on va vous donner les solutions. Donc, on a un nitrate de potassium, c'est le KNO3, de volume V égale à 100 ml, de concentration C égale à 0,5 mol litre moins 1. Donc, on a une concentration, on a un volume, et on a une quantité de matière. On a une C égale à 1 sur V, donc ce qui donne N égale à C fois V, tout simplement. Ben, on a un dit C égale 0,5 mol litre moins 1. C'est-à-dire, un dit V égale à 100 millilitres, puis je vais mettre le litre, donc 0,1 litre. Alors, quand on a 1000 millilitres, le litre, bien sûr, on aksime à la 1000. Donc, je vais mettre N égale 0,5 fois 0, donc l'N, le volume MTI, voilà, donc 0,1. Donc, on trouve 0,05 mol. Voilà, l'unité de nombre de mol, c'est le mol. Calculer la masse du solide. Donc, là, je vais parler de la masse. Bien sûr, on a le nombre de mol, pardon, ou la masse sur la masse molaire. Ce qui donne la masse égale nombre de mol fois la masse molaire. Déjà, on a parlé de nombre de mol, il fait la masse molaire de KNO3, donc égale la masse molaire de K, plus la masse molaire de N, plus, attention, l'énergie 3. Donc, 3 fois la masse molaire d'oxygène. Ok? Donc, je peux partir ici. L'énergie 39, la masse molaire de K. Voilà, c'est 39. Plus la masse molaire de N, c'est 14. Plus 3 fois 16. On trouve l'énergie 101 grammes mol moins 1. Voilà. Donc, dans l'application tool, M égale 0,05, nombre de mol fois 101. On trouve 5,05. Non, c'est l'unité en grammes. Voilà, retoubène les unités. Ok, t'as des questions. Donc, nommer le matériel utilisé pour préparer cette solution. Voilà, donc là, je vais faire une solution de KNO3 de volume V égale à 100 ml. Donc, on peut utiliser une fiole, fiole jaugée de 100 ml pour préparer cette solution tout simplement. Ok, déjà moi je vous dis, هذو ما في اللابوراتوار نتاعكم وتخدموا بهم ووريتهم لكم دونك لهنا في لي فيديو في الفيزيك وريتكم لي ماتريال هذوك اللي نستعملوهم في اللابوراتوار اللي موجودين بيان سور وتخدموا بهم في لي تي بي اوكي دونك فيول جوجي 200 ملل 300 ملل دون solvant terre, 3 filles, donc une solution de nitrate de potassium de volume 100 ml. Donc déjà, on ajoute la solution à 100 ml, le fuel interne. Voilà, donc, et ça, c'est l'exercice interne.